traite l'HP et il va se barrer en fait et je le tuerai jamais parce qu'il va partir. Donc en gros je prends juste le risque de mourir et de pas pouvoir en fait, enfin il y a que du mauvais quoi. Ça vaut pas le coup, je peux peut-être mourir et je peux pas le tuer donc. Y a un mec là-bas. Les aléas du direct, c'est ça. Fais ton piège pyramide, go, go essayer. Bon j'ai aussi une autre vidéo où je l'ai fait sauter. Ça n'a pas été parce que là il se tire au-dessus au snipe. Il est en haut le mec ou... Là j'ai pas très bien soundé du tout donc je sais pas où il est. Ah il est là. Oh merde, attends. Prenons pas de risque. Oh merde, j'ai fait de la merde. T'es pas volontaire par contre ça. Je dis pas vraiment pas de risque mais je tente un magnum mais... Bon vas-y. 8, énorme. Un gros 8 sa mère. Enfin c'est moi là, c'est moi qui ai raté ma balle. Hein. Là c'est pas un bug ou quoi que ce soit, c'est juste moi qui ai fail. Alors. N'importe quel explosif fait l'affaire. Ah mais les grenades t'as l'indicateur tu vois. C'est triste mais l'indicateur bon c'est un peu fumé quoi. Alors. Du coup ouais, les grenades je pense que c'est... Enfin les grenades je sais que c'est fort mais je veux dire je les sous-joue clairement quoi. Je joue pas sans, je joue pas explo, c'est très simple, je joue pas explosif. Je trouve que la meilleure explo pour, selon moi c'est le lance-grenade. Parce que je trouve que c'est vraiment très fort mais c'est très dur à jouer parce qu'il faut avoir le compas dans l'œil. La grenade je trouvais que fallait c'était dur à jouer parce qu'il fallait avoir le compas dans l'œil aussi, maintenant ils ont mis l'indicateur du coup c'est relativement plus facile. Enfin oui, maintenant tu vois à la terre et du coup c'est plus simple oui. Mais ce que je veux dire par là c'est que. Bref. Ok, Cassos. Trouvons un arbre à couper. Oh, y'a un autre mec là-bas. C'est bien ça, les mecs viennent à moi en fait. Parce qu'en solo, le problème c'est que trouver des joueurs c'est pas simple. Très compliqué de trouver des players. Petit se cache. En vrai, c'est un mec qui est caché et qui bouge pas. Y a pas, tu vois, genre t'as pas de système de poux ou quoi que ce soit, tu vois. Si le mec ne bouge pas, il fait pas de bruit. Donc peut-être que je vais faire un truc quand un mec a pas bougé pendant très longtemps, il y a un pou tu vois qui se fait, ou un truc comme ça tu vois. Désolé mon pote, c'est un peu bâtard ce que je viens de lui faire. Pas très sympa ce que je viens de lui faire les gars, mais bon. Quand on se le mange H24, bon. C'est souvent qu'on se backstab, on va pas se mentir. Ok. C'est pas bueno ça. C'est pas bueno du tout ça. Oh non, la carte! Oh non! Oh putain, le bouton pour fermer la carte, toujours pareil. Oh, je me suis fait carotte. Je vais crever. Putain, je pouvais pas tirer comme d'hab. Ok, alors là, espérons que t'en aies plusieurs. T'en as qu'un, super. Est-ce que j'ai un Boeing? J'ai un Boeing, c'est déjà ça. Méga loin! En même temps, j'ai pas eu trop de choix parce que il m'aurait tué facilement quand il avait pris la hauteur sur moi. Il suffisait d'une bonne balle et j'étais dead quoi. Donc... Super. La montagne qui s'est enfoncée. Je me shield, c'est trop important. Je suis quitte à manger des dégâts, etc. Mais si je me shield pas, je me prends une balle, là je meurs donc j'ai pas envie. Trop dangereux. Même si la. Okay. Je pouvais mais il a 20 HP mais bon. Pas du 3 HP, c'est pas grave. J'aurais pu optimiser 3 HP mais bon. J'aurais pu rater aussi et je serais mort donc. Non, 7 HP au final.
Cassos. Quoi le dire de la carte? En fait j'ai un problème, c'est que mon bouton qui avant me permettait de fermer la carte, maintenant m'affiche un putain de menu. Et du coup en fait j'ouvrais la carte et je fermais avec échappe et des fois j'ouvre la carte sans faire exprès dans les constructions parce que mon bouton de carte est juste à côté. Et du coup c'est la PLS. Voilà. Voyons voir. Ah j'ai plus de snipe. Ah bah oui, j'ai tout drop, putain, j'ai tout drop pour prendre du healing, sinon je serais mort, donc j'ai pas eu trop le choix. Ah mais du coup je suis à poil. Je suis à poil. Après on peut trouver un résidu de fight et un résidu de fight qui a plein d'armes parce que les gens ils sont stuffés, du coup ils prennent plus les loot, tu vois. Les armes tu les laisses quoi, tu prends les ressources de heal quoi mais. On est sur une zone montagneuse. Ok ça va, ça pourrait être pire. Shit. C'est un mec ça en haut là? Non. Il m'a shooté là. J'arrive pas à voir, il m'a shooté. Bon, ils sont hors zone. Nique sa mère. C'est plus à moi de chercher les joueurs hors zone. Ça va devenir. Plus j'ai pas snap, j'ai rien, donc en vrai je suis pas serein quoi. J'ai un magnum, c'est cool, c'est marrant. Mais en vrai ça va pas me sauver quoi. My turn boys, my turn. J'aurais peut-être dû enlever le magnum. Mais bon, après j'aurais regretté, je me serais dit putain j'aurais dû garder le magnum, je me connais très bien. Je suis sûr j'aurais fait ça donc au moins j'ai pas de regrets. Faut juste que je meurs pas. T'as un feu si jamais. Ah cool. Si merde bon. J'avais zappé. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Le problème c'est que là je suis en 720 et en 720 on voit rien frère. C'est dégueu sa mère. Ah ils sont dans une fois 4. Un snipe auto, ah, dommage. C'est bien quand même mais. Aussi bien que je pensais. Ça c'est de la merde. Hop là. On drop là-bas. Ok. I don't know boys, I don't know. Oh bien ça. Un vrai snipe. Cool. Tant mieux. Gold ou pas gold c'est pas très grave mais surtout un vrai snipe quoi. Un snipe à verrou. Toujours mieux, même si le snipe auto a été buffé. Toujours quand même moins intéressant, je pense. On va se l'allumer pour pas se manger une balle de snipe là. Oh merde. Vraiment un mec là-haut là? Putain, what the fuck, j'y étais tout à l'heure. C'est là d'où je viens. J'avais peur justement qu'un mec me shoot pendant que je le fight. C'est exactement ce qui s'est passé. J'avais très peur justement de manger une balle de snipe, c'est pour ça que j'ai avancé pour pas. J'avais pas trop peur de lui, j'avais plutôt peur du mec qui allait me backstab par derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors. J'ai bien fait parce que je serais peut-être mort en plus. Par malheur, la balle de snipe me touche ma tête, je suis mort donc. Okay, on va pas piquer longtemps parce que je peux manger une balle de snipe tout pareil. Hop là. Faudrait que j'ai la certitude qu'il y a personne là-haut, mais j'en sais rien. Du coup. Ouais, je le check parce qu'il pouvait y avoir un joueur. Un petit bat. Oula. Oula. Oula, 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 oula. Toi. Lui, il veut all-in sa mère. Je peux pas tirer, je peux pas tirer. Putain, je pouvais pas tirer au chasseur sinon il serait mort. Putain, c'est vraiment l'enfer. C'est pas ma structure donc je la casse. Putain, putain, la chatte quoi. Si je pourrais plus tirer mon shotgun, il était archi mort. Ça casse les couilles. Ça. Cette match. Pas que pour ça, mais en partie pour ça aussi.
Mais non! Oh putain, c'est l'enfer. Ok. Trop chiant la mini map par contre. Ouais, comme prévu. Le petit backstabber. Ok. Il est mort, bien joué. Il est où lui? What? Ah oui! Ah, je suis mort. Oh le ramasse-miette quoi. Putain, putain! Oh là là! Eh ben on va faire un peu de magie! Allez! Allez, allez c'est parti! Go! On va faire aujourd'hui une expérience. Vous connaissez le Bonto, oui? Bah vous connaissez, oui. Bien maintenant. Le quoi? Oui. Alors je vais vous montrer la première fois que je. Une rouge, deux noirs, deux noirs, une rouge, ou quelle est la rouge? Tout à fait, c'est ça. Première fois que j'ai perdu de l'argent en Bonto. Alors j'étais petit, j'avais pas beaucoup d'argent et j'étais dégoûté. Alors je vous explique. Le jeu est simple, on a la caméra du dessus. Oui, parce que là, d'ici, yes, on voit tout. Cool. Donc on a une carte bleue. Elles sont bien, sans le code. Merci. Une autre carte bleue. Et ensuite, une carte rouge. Et effectivement, il faut retrouver la rouge. Donc cette personne. Okay. Alors attends, par contre. Ouais. On voit pas bien. Hein. J'ai peur de niquer ton tour, donc je bah, dis rien. Tu peux montrer les trois cartes ou c'est mort là? Non, non, mais attends, bah non, mais regarde, c'est pas le problème, mais sur l'écran. En fait, à l'écran, on a l'impression qu'elles sont toutes noires. Ouais, sur l'écran, on voit mal les couleurs. Ouais. Hein. Bon. Bon, allons-y. Alors, donc, la première fois, il me dit c'est facile, tu suis la rouge. Si je mets la rouge en bas, où est la rouge? Pour un euro. Okay. J'ai dit, bah, elle est en bas. Il me dit, non, perdu, elle est bleue. Okay. Tu me dois un euro. Ok, j'ai dit, bah, dans ce cas-là, elle est en haut. Il me dit, non, tu me dois 2 euros, c'est aussi une bleue. Et je lui dis, bah, il reste que le milieu. Et il me dit, bah non, elle est aussi bleue, tu me dois 3 euros. Okay. Donc là, déjà, je me suis dit, il y a une arnaque. Je me suis dit, bah oui, mais en fait, tu triches parce que tu n'as que des bleus. Et il me dit, bah non, j'ai aussi des rouges, tu vois, il y a rouge et il y a rouge, tu me dois 4 euros. Là, déjà, je ne me sentais pas bien parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais je me suis dit, on va le refaire. Donc il me dit, si je prends la rouge et que je la mets en bas, eh ben, où est la rouge? Bah, je lui dis en bas, comme tout à l'heure, sauf qu'il me dit, bah non, il y a une bleue, tu me dois 5 euros. Je lui dis en haut, il me dit, non, c'est bleu, tu me dois 6 euros. Et je lui dis au milieu, il me dit, bah non, c'est bleu aussi, tu me dois 7 euros. Donc là, je l'avais mauvaise. Et il me dit, attends, avant de partir, je vais te laisser une dernière chance. On va faire un quitte ou double. Si ici j'ai une bleue et qu'ici j'ai une rouge, tu as une chance sur deux cette fois-ci de trouver quelle est la carte au milieu. À ton avis, qu'est-ce que j'ai répondu? Bleu. Pas mal. Toi, t'aurais dit quoi? T'aurais dit bleu aussi? Bah, bleu, oui. Ouais. Et là-bas, Zary? Moi, j'aurais dit vert. Vert. Bien sûr. Et toi, il est? Moi, j'aurais rien dit. Okay. Toi, tu joues plus, quoi. Tu t'arrêtes. Non, bah, j'ai déjà perdu 7 euros. Ouais. Ouais. Et bah, moi, j'ai été bête et j'ai joué. Et effectivement, c'était vert. Il m'a dit, tu me dois 14 euros. Ah, Zary, le dieu. Mais Zary, calme-toi, t'as vu son niveau? Wow. Absolument pas. Contre, j'ai dit au pif. Par contre, ton histoire tient pas la route parce que quand t'étais petit, c'était encore des francs. Je ne te parle plus. Désagréable. Désagréable. Là, elle m'a mis un coup de vieux, quoi. Quand t'étais petit, c'était des francs, des anciens francs même. Bon, voilà. Putain, ça marche bien. Ça marche bien. Dommage pour cette histoire de lumière et de reflet de couleur. Non, mais sur le stream, ça se voit très bien. Je pense que ça se voyait sur le stream. C'est juste sur l'écran. Ah oui, c'est notre tour peut-être. Ok. Bon, on y va. De quoi on parle aujourd'hui, Vince? C'est parti. Et on va se faire un petit épisode de Brain Games. Allez. Sur on a racheté la licence, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est à nous tout ça. Sur une petite illusion d'optique que j'aime beaucoup. Et enfin, je l'ai retrouvée parce que ça faisait longtemps que je voulais la passer. Et bon, on regarde ça. Do not adjust your television. The colors you are seeing are correct. Stare at the black dot in the center of this image. En gros, ne touchez pas votre télé, tout va bien. Il y a bien un point au milieu. Donc, vous fixez le point noir jusqu'à ce que Mork s'en suive. We promise. Voilà. You're about to see something you might find incredible. Vous allez bientôt voir un truc que vous avez trouvé incroyable. Ah, c'est comme le truc où quand tu clignes des yeux, après tu vois Jésus ou je sais pas quoi. Non, c'est pas celui-là. Ready? Regardez bien. Do you see color? And if you move your eyes, does the image suddenly appear black? Wow! That's amazing! Amazing! Wow. There is no color, but I see all colors you just saw. All around the place. Wanna know what's going on? That's crazy. That's crazy. Non, mais... That's... C'est quoi? C'est de la persistence rétinienne. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Tout à fait. That's crazy, yeah. Wow. Les gens n'ont jamais celui-là. Été à l'école. Wow. Ça va. Non, en vrai, c'est bien parce que ça le fait vite, quoi. Ouais.
Émission TV, il y a Victor Vincent qui a fait un passage, bah, encore une fois, chez Arthur, parce qu'il n'y a que Arthur qui sponsorise les magiciens et les mentalistes. Merci à lui. J'ai pas pris de... Si, ouais. Non, il y a... Comment ça s'appelle, Drucker aussi, qui fait venir de temps en temps des magiciens. Ah bah non, ça fait longtemps. Sébastien, ah ouais. Patrick Sébastien, ouais. Ouais, ouais. Donc, l'émission Pas de ça entre nous, il y avait Victor Vincent qui a été invité. J'ai pas pris de vidéo parce qu'on se fait striker, hein, forcément, ah ouais, pour les contenus TF1. Vous pouvez aller voir sur le replay de TF1 à 53 minutes de l'émission Pas de ça entre nous. Vous verrez Victor Vincent, il a fait l'expérience avec les clous. Ah, ah non, qui était raté l'autre jour. Voilà, mais lui, il a réussi. Donc ça va, ça va. Mais franchement, c'était bien foutu, c'était bien amené. J'aimais bien. Bon voilà, vous pourrez aller voir ça sur le replay de TF1. Dans les films que je vous conseille cette semaine, on en a parlé brièvement auparavant, je vous conseille Las Vegas 21. Et donc là, normalement, j'ai ramené un petit extrait. Oh là là, c'est le truc de Blackjack ? Ouais. Nice. Non, on n'a pas le son. Si, c'est bon. Si, si. Si. Ah non ? Il n'y a pas le son. On est censé les entendre parler ? Bah ouais. Bah là oui. Ah bah on entend que la musique. Ouais, mais c'est le même problème que... Oui, en fait on a qu'un canal, c'est trop bizarre. Après eux ils ont le son, c'est pas. Enfin. C'est incroyable ce délire quand même. Là ils ont pas les voix. Ah ils ont pas non plus. C'est un film muet, c'est normal. En gros, c'est un mec qui est fort en maths. On a la voix. Vous voulez faire quoi ? C'est quand j'allais doubler. Quand ? Les week-ends ? Où ça ? C'est parce que c'est du 5 points. C'est pour ça qu'on n'a pas les voix. Bienvenue à Vegas. C'est l'endroit au monde où ça peut rapporter le plus gros. On est à combien ? Plus 9. Plus 5. Plus 13. J'ai perdu le compte, il y a 20 cartes, mec. M'appelle pas mec. Et si on se fait prendre ? Compter les cartes n'est pas illégal. On la joue profil bas et on guette le signal. Bras croisés, la table est bonne. Blackjack. Je ne le fais que pour payer la fac. $300,000 et je m'arrête. Vos nouvelles identités sont sur le bar. Mana, Mademoiselle Summers. Vladimir Stupnitsky. Wow ! Ça y est, je le tiens. Non, continue, s'il te plaît, cette vidéo n'a pas de prix. On s'est fait totalement dépouiller ces deux dernières nuits. Un nombre à 7 chiffres. Le Hard Rock m'a offert une suite. Génial, c'est super. Tu veux la voir ? Je crois que j'ai quelque chose ici. Il dévalise ta table. Comment tu le sais ? Je compte. Ah, t'es au MIT ! Dis-moi, le professeur Rosa va bien ? T'avais dit $300,000 et je m'arrête. Je suis plus le même mec que celui que j'étais à Boston. Tu ne vaux que l'argent que tu me rapportes. Je vous ai fait gagner tellement plus que ce que je viens de perdre. On prend tous les risques. Il joue même pas. On n'a pas besoin de lui. Tu sais très bien ce que je suis capable de faire. Tu ne crois pas ? Je peux diriger l'équipe. Les enjeux sont élevés et c'est plus dangereux. À Vegas, on peut devenir qui on veut. Et voilà, vous avez vu tout le film encore une fois. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas voulu tout regarder. Ça existe enfin, pas déjà bien, mais... un film comme ça de gens qui comptent les cartes et tout. C'est pas déjà sorti ? Non, c'est à celui-ci moi que je fais référence. Ah, mais ça c'est sorti déjà. Hein. Mm. Ah, oui, celui-là, non, ouais, il y a longtemps. Il me semble que j'en avais vu un autre avec pas les mêmes. Il y a très longtemps celui-là, en 2008 il est sorti, ouais. Ah, ça s'appelle comment ? Las Vegas 21, donc avec Kevin Spacey et Lawrence Fishburne. Oh, David ! Allez, on commence, le temps qu'on finisse tranquillou. Je t'en prie. Commençons à regarder les dessins Twitter que vous avez envoyé sur le hashtag DrawWhatever. Whatever. C'est parti. Paquet Julian. Mani. Le viking sur le flamant rose. C'est archi cool. Et trop stylé. La grenade qui est en train de... Qui est en train là, de... C'est pas de chance. D'accord, ok. Qui s'apprête à péter. Ça doit être ça. À ses ça. Pieds. J'ai mal le zoom. Je vois qu'on n'est pas les seuls à avoir galéré pour les grenades. Oh merde, mes grenades, je les ai pas finies. Oui. Eti, grenade. Grenade. En fait, c'est les grenades, c'est des flamants roses. Putain, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Regarde, il y a la petite goupille là. Genre. Ouais, je la vois. Putain, c'est trop bien. C'est stylé. Trop cool. Ça gère. Ah voilà. le fameux le golf. Du coup. Ah. Il s'est désaffiché. Disparu. Non. Ah, il a peut-être reposté. Si tu avais l'air inspiré. Oscur. Yes, ok. Oh, il est trop mignon. Putain, c'est stylé. Flamand viking. Ah, il tient la grenade. Ouais, il tient sa grenade. Ouais. Ça pas tout. Je m'en vais te les exploseries. Très bien. Lady. J'ai pas eu le temps de voir l'épisode. Wendy. Wendix. Trop cool. Fait avec quoi ?
Ouais, c'est de la peinture de ouf. Comment on fait pour mélanger les couleurs, tu m'as dit? Les mélanger. Ouais. Alors, moi, j'ai un peu du mal. Mais je sais pas si ça fait quelque chose. Ouais, non, j'ai pas l'impression. Le truc blanc. Waouh, wow. La Valkyrie. La Valkyrie flamand. Waouh, c'est giga stylé ça. C'est hein. Trop cool. Super cool. T'as le squelette. Trop classe. J'aime beaucoup. C'est fou artist. Paulin. Ça m'a pété. C'est archi cool. Il est tellement cool. Non mais vous êtes. Il est grave incroyable. Cool, hein. Les couleurs de celui-là. Les gens ils ont trop de talent. Hein, Nicus Teams. Merci beaucoup. Nathan. Ah. Trop marrant. Ça rend tellement le viking mignon en fait sur un flamant rose. Ouais. Mais regarde la grenade est cool aussi. Genre la grenade. Non, le sien. Ah la sienne. Ah oui. Bah, oui. Ça, sa petite croix. C'est la grenade sacrée. Comme dans Worms. Pensez à Worms. Wow. Oh, Vlad. Tablette est cassée. Comme précisé, tablette est cassée. T'as fait à la souris, mais gros. Putain, c'est trop stylé. Ça, c'est un mec qui doit vraiment beaucoup gérer à la tablette. Du coup. J'ai de grenade avec des cheveux de Vikings. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop marrant. Super cool. Oh, X-Trizen. C'est ça. Waouh. Trop cool. Sur papier, ça aussi. Derrière, ça explose. Et il a fait la tresse. Et boum. Il est grave stylé en vrai. Ouais, grave. Super cool. Les cirques. Il a fait le. Ah, il a le crâne de. C'est un crâne de flamant rose. Ouais. Il a moins l'air gentil celui-là du coup. Ouais. Choisis la pilule bleue ou la pilule rouge. Non, entre une grenade et un crâne de flamant rose. Waouh, il est stylé celui-là. De Niro. De Niro. Ah, mais les gens ils sont trop forts. De Niro. Niro TV. Ouais, parce qu'il s'appelle Niro, mais De Niro du coup. Waouh, ouais. Wow, grand jeu de mots. Honor. Trop stylé. Vasectomie, très bien. Lui est pas mal. Non mais les faits cool. De. Mais tu vois le cool, voilà hein. le drakkar ouais. Flamant rose. Ça rend bien. Et la grenade sur la voile. C'est marrant. Ok, bah c'est cool, mortel. Vous êtes trop fort. Hein. Écoute, je vais en profiter pour avoir les dernières petites minutes pour terminer le mien. Mais vous gérez hein, comme d'hab de ouf. Et vous en faites pas si on n'a pas vu votre dessin. On va checker. Moi je vais de toute façon aller voir un peu après sur le hashtag, et entre vous, mettez-vous des petits likes et allez checker le dessin des autres, enfin les travaux des autres, pour découvrir des. Je crois qu'on a pas vu ce Fuka non plus. Hein. Ah oui, non, Fuka il l'a mis où? Hein, Fuka? Fuka il est où? T'as cru qu'on t'avait oublié peut-être? Est-ce qu'il a été posté? Est-ce que David l'aurait ignoré sans faire exprès? Ok. Mais non, ah, il a cru. Il est. Ah. J'ai compté dessiner un viking à la piscine, mais j'ai abandonné. Vu que je te mentionne directement, comme ça mes followers voient pas. Très bien. Eh ben, tu. N'hésitez pas du coup à aller RT. Surtout à aller RT. Hein. Il est trop bien. Il est trop bien en vrai. Et en vrai, tu t'es saucé hein, sur grenade. Il a sa petite grenade. Ouais. Archi mignon. On donne faim. Trop bien. Merci Fuka. Il est trop bien, tu as géré. Ça construit en face NE, les gars. NE. Est-ce que vous avez pas par contre, faut avancer. Il faut avancer. Je propose qu'on contourne. Ouais, on contourne sur la droite. C'est une bonne idée. Vous avez pas des greux? Vous avez pas des GRE hein, parce que moi, je t'avoue, je suis bien là. Hein. J'aime bien ça. Hein. Ah, y a une construction. Si vous contournez avec moi, les gars, il y a une construction juste là sur la droite en 60-75 où on peut prendre la hauteur sur la construction et leur mettre directement le headshot qualitatif qu'ils méritent, probablement. Ok. Bah laisse Zulu faire ça alors. Mais j'ai pas d'armes. Non go. Mais t'avais des greux enculé. Ils sont morts. Mais j'ai je l'ai vu jeter la greux. Ouais j'en vois une. Ouais mais prends la pas. Mais non mais vous êtes des enculés. Vous savez que c'est mon arme préférée, vous me la laissez même pas. Olivier s'il te plaît. Il est incroyable. Anok en face on peut les rush si vous voulez. À la grenade vous pouvez les rush à la grenade. Y'en a qu'une, t'es un mytho. Il avait plus de gros que ça. Voilà, lui il est mort. Il y a encore cette team les gars. On peut y aller ouais. Directement. Ouais, allez-y. Quel enfoiré. Mais en fait, je te vois jouer, mais t'es... Quoi? C'est horrible. Mais tout à l'heure, je suis mort aussi, deux parties. C'est pas facile pour moi. Info.
Ils sont morts. Ah, fou, il dit putain. Mais vous ne dites rien aussi, putain. Ça casse les couilles. On t'a dit on les rush. On t'a dit on les rush. Bah oui, bah donne l'info où ils sont. Non mais il est incroyable. On les rush. Zulu, il est 50 mètres derrière, putain, que ça tire de partout. Info. On est plus que 4 dans la game, genre. Info, vous avez des creux? Vous avez des creux, info? Oh, Oliège, je t'ai vu. Ouais, merci. On me la fait pas, moi, attends. Ouais. Info. Y'a des vilains, y'a des mecs. Mais du coup, on est pas chez nous là. On est pas chez nous. Bah, on est pas dans la zone. Vous êtes pas dans la zone, oui. La zone, ouais, donc. Bah, go, allez. Ah, ils ont fait des constructions là-bas, vous voyez ou pas? C'est peut-être pas ici. En est. Ouais, mais y'a peut-être personne. Je sais pas s'ils y sont encore. Hein. Oui. Okay. Oui, non, c'est vieux en fait. Faites ce que vous voulez, moi je vais dans un arbre. Oh, y'a un loot. Y'a un loot en face en 30. C'est vraiment... Faites ce que vous voulez, hein. Moi je vais dans un arbre. Bah, non, bah chacun sa strat, c'est tout. Ok, capitaine. Attends, je prends le. Dans tous des écureuils. Parfait. Si on fait pas dernier sur le tournoi et qu'on joue et qu'on suit vraiment l'école de Zulu, ça peut être extraordinaire. Ah, c'est incroyable. Hein. Allez. Zulu, le joueur français, enfin l'écureuil français, il est parti. L'écureuil FR. Voilà, magnifique. Merde. C'est toi qui tires, Zulu? Ouais, c'est bon. Quoi? Non, t'es un fils de... T'es un fils de pute. Mais non. Mais c'est bon aussi. Mais t'as quel âge? Putain, t'as 8 ans. Mais protège-toi, Zulu, quand tu fais ça. Mais... Putain, mais t'es vraiment un enfant. Quoi? Mais vous êtes des gamins aussi! Non, on t'a dit de te protéger! Reste-moi, je le tue à la greu! Je les vois, ils tirent! Construis, Oliège, tu construis pour qu'il puisse me raise! Continue de construire! Il va m'aligner! Mais non! Oliège, tu construis! T'es une pute sinon! T'es une pute! Mais je veux me battre! Restez-moi! Oliège, reste-moi! Et Ponce-fesse, tu construis. Attends, un knock. Attends, bah en fait j'essaie de gagner aussi. Mais putain. Non, mais tu l'es pas, t'es un gamin. Ah, pardon. Oh. Quoi, info. Il est juste... Je me borne. Temporisez, les gars. Sur moi, y'a une team. Bah temporise. Les gars, sur moi, y'a une team. Ouais, nice les gros. Oh putain. Nice, mort. Y'a 100 mètres qui vient pour le... Ouais, putain, ça va être dur. Mais gros, c'est zéro dur, il est où? Oh, tu l'as mis dans la bouche, là. Gros, c'est zéro dur. Eh, hey, t'as mis la grosse bonbonne, Zulu, là, sur ouais, ta j'ai vu. Boum. Bon bah, il reste encore deux gars. Vous me les laissez ou pas? Les deux gars. Mais on les entoure et on les piège. J'ai vu ça sur un live de Ninja. Il faisait ça. Bah on est à peu près ce niveau. Oh y'a un troupeau. Oh y'a un troupeau. Ok. Ah y'a votre stratégie. Allez. Voilà, Zulu il va faire son aigle. J'arrive pas à la prendre. J'en ai tué un. Y'a plus qu'un mec. Hein. Mais j'arrive pas à prendre le trampo. Bah laissez-le pour Zulu le dernier. Ouais. Non mais sérieux, non mais vas-y. Voilà. Comment on l'utilise le trampo? Oh mais putain, mais c'est un piège, tu le poses frère. Mais oui, mais je le pose comment avec F5? Clic je peux droit, pas. Clic droit. Voilà, et ça marche pas. Non, mais ça c'est mon truc. Mais là faut le mettre sur une structure quand même. Mais oui, mais choisis les pioches et clique droit. Mais gros, je peux pas l'utiliser. Vous pouvez terminer la game. Je peux pas l'utiliser. Arrête aussi. Mais pourquoi tu peux? Il faut le mettre sur une structure que toi tu as construit, pas une structure ennemie. Mais oui. Ah, il vous rush. Laissez-le moi, il est où? Bon, on m'a tiré dessus. Derrière toi. Il est où? Vite Zulu! Il est sur moi! Ouais, mais je suis pas allé, toi! Mais non! Mais t'es un enculé! Mais j'arrivais, gros!
Mais non, mais vous êtes des enculés. Mais non, mais aussi, vous me laissez jamais finir. Vous me laissez jamais finir. Bon, bah, j'avais 10 kills, hein, quand même. Ça a... C'était la dernière game, en plus. Mais clic droit, mais j'ai... J'ai clic droit, je te dis. J'ai 27 000 fois fait clic droit, ça marchait pas. Ça marchait pas. J'ai pas pu faire la technique de l'aigle pour finir en beauté.